Quoi ? Sale rat, t'as intérêt à te tenir tranquille, sinon tu vas réveiller papa. Pourquoi un rat ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Cette fille t'a transformé en guimauve, et maintenant tu me laisses tomber. Eh ben si c'est comme ça, tu peux crever. Je ne vois pas de quelle fille tu parles. Ah, pendant tout l'été, c'était Stéphanie par-ci, Stéphanie par-là. Et maintenant, tu t'en souviens plus ? Tu me prends pour un idiot ou quoi ? Non, j'ai tout oublié, je te l'ai déjà dit. Eh bien, tu feras mieux de t'en rappeler rapidement, parce que le mariage est dans 2 semaines. Quoi ? Laisse-moi tranquille, je veux regarder la télé. C'est une drôle de télé. D'ailleurs, j'y pense, cette baraque est complètement rétro. Qu'est-ce que tu veux dire par rétro ? Toutes les télés se ressemblent ? Bien sûr, en général. Mais celle-ci, c'est vraiment un vieux tas. Un vieux tas ? Elle est toute neuve. Oui, mais regarde, le tube cathodique et l'antenne. Où est la télécommande ? Qu'est-ce que c'est ? Maintenant que j'y pense, je m'en souviens plus. Hé, hey, qu'est-ce que tu voulais dire au sujet des rétrofusées ? Non, rétro tout court, ça veut dire... Ça veut dire... Ah, zut ! Je sais ce que je veux dire. Il y a quelque chose de pas net ici, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors ferme-la et arrête de m'embêter. Je regarde mon émission sur les cow-boys. Tu as remarqué que l'émission était en noir et blanc ? Et puis quand encore ? De la couleur ? À la télé ? Je croyais avoir déjà vu une télévision couleur avant. Bien sûr, c'est ça. Arrête ou je te dénonce. Oh, regarde ça, c'est répugnant. Ta mère te laisse regarder ce truc ? Bien sûr, ça fait partie de l'histoire de la Grande Amérique. Et en plus, le sang et les tripes, c'est classe. De toute façon, tu peux pas m'en empêcher. Alors laisse-moi tranquille, sinon... Ah, enfin... Tiens, bonjour. Tu veux des cookies ? Il y en a plein la poubelle. Qui êtes-vous ? En voilà des façons de parler à ta mère. Vous êtes ma mère ? Tout à fait. Même si parfois, j'ai plutôt l'impression d'être l'infirmière de garde. Je ne me souviens pas de vous ? Bien sûr que non. Jusqu'au moment où tu as besoin de chaussettes propres. Non, je veux dire, je ne me souviens pas vraiment de vous. En fait, je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Pour l'amour de Dieu ! Steve, arrête de faire le pitre. Tu sais, Steve, j'espérais vraiment que tu grandirais un peu une fois ton diplôme en poche. Maintenant, j'espère seulement que ton nouveau boulot te remettra les pieds sur terre. Alors c'est mon nom, Steve. Ton nom va être 2 paires de claques, si tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Écoutez, je sais que ça paraît bizarre, mais j'ai perdu la mémoire, vous ne me croyez pas ? Tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas. Mais oui, c'est ça. Tu vas aussi me dire que tu ne te souviens pas de Hank et de ta petite sœur. Une sœur ? Tais-toi donc, tu vas la réveiller. Je viens juste de la coucher. Si elle se réveille, elle va vouloir encore manger. Mais enfin, j'ai du travail. Tu crois que je n'ai que ça à faire, écouter ton discours sans queue ni tête ? Tu es encore plus fou que ce parquet à la caserne des pompiers. Et alors ? Peut-être que je suis timbré. Encore une chose dont je ne suis pas sûr. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'aider ? C'est trop te demander quelques petits renseignements ? Ah bravo, tu as gagné, ma pauvre chérie. Calme-toi, mon bébé. C'est ton frère qui t'a fait peur. Montre-moi. Maudite soit cette femme guêpe. C'est un vrai monstre. Qui c'est, Sparky ? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette petite mauviette obsédée par les tuyaux d'arrosage ? Ta propre sœur vient d'avaler une tarentule et tout ce que tu trouves à faire, c'est de poser des questions stupides. S'il s'agit bien de ma sœur... Maintenant, ça suffit. Va embêter Hank ou Stéphanie et laisse-moi préparer mes cookies. La kermesse a lieu vendredi prochain et vous... Tu commences déjà à faire des gâteaux ? Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Mais ils seront rassis d'ici vendredi. C'est pourquoi je les mets à la poubelle. Pour en faire d'autres ? Pour remplacer ce que j'ai jeté. Mais pourquoi ? Il le faut. Personne ne va débourser quoi que ce soit pour acheter des cookies rassis qui sortent de ma poubelle. Et moi, je devrais... Bien sûr que non, Steve. Je ne te ferai pas payer. Je suis ta mère. Vas-y, serre-toi. N'oublie pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. Hey Steve, je suis Jimmy James, tu te souviens de moi ? Je crois que non. Et comment ça se fait que t'as pas sorti le journal le matin ? Eh bien pas moi, sale égoïste ! Comment tu veux que je gagne ma vie honnêtement ? Si tu mets pas le journal dehors, je suis au chômage ! Et alors ? Tu n'es pas payé pour ramasser les journaux de toute manière ? L'immeuble du Sentinelle a brûlé, qu'est-ce que tu crois que je peux faire d'autre ? Écoute, mets le journal dehors et tout sera d'équerre, d'accord ?
C'est tout ce que je veux. Ça, une paire de tennis. Marcher tous les jours, ça a détruit les miennes. Dis, t'en as pas une paire en trop? Ah mince alors. Écoute, si tu en trouves, je serai toujours d'accord pour te les échanger. Un truc vraiment génial. Pense-y. À plus tard, tétard. Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre de l'Ordre de la Lune d'Harvest. Vous avez dit quelque chose? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Par télépathie, mais comment? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance? Des connaissances interdites, des plaisirs interdits, ou qui n'ont pas encore été découverts. Mais ils ne sont pas pour toi. Pas encore. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Les formulaires sont disponibles au bureau de poste. Le receveur Boyle en distribue aux non-initiés. Je ne m'abaisse pas à ça. Alors je le remplis et je vous le remets, c'est ça? Un formulaire d'inscription ne s'obtient pas comme ça. Il faudra sûrement trouver un moyen de persuader le receveur Boyle de t'en remettre un en milieu de mois, en dépit des règles. Quand ce sera chose faite, reviens me voir. Et si tu es apte, tu devras passer un test. Oui? J'ai besoin d'un renseignement, monsieur. Je suis le receveur Boyle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Désolé, jeune homme, nous n'avons plus de formulaire d'adhésion pour l'instant. Allez, vous devez bien en avoir un quelque part. J'ai bien l'original, mais tu ne peux pas écrire dessus. Et je ne fais des copies qu'une fois par mois, pas plus. C'est réglé, comme du papier à musique. J'ai bien peur que non, petit. On n'en trouve qu'à la poste. Je suis désolé, tu devras revenir au début du mois, comme tout le monde. Et encore, je ne garantis pas que tu auras un formulaire d'adhésion. La file d'attente est souvent longue, et il n'y en a jamais assez. C'est important, il m'en faut un très vite. C'est ce qu'ils disent tous. Receveur Boyle, c'est une question de vie ou de mort. Je dois entrer dans l'ordre. Je ne peux pas faire d'exception, jeune homme. Ce ne serait pas juste. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Ah, le voilà, mon futur gendre. Et comment se porte-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'amène dans la demeure des Potsdam, hein? Ah, quel numéro tu fais? Vous croyez que je plaisanterais sur un sujet aussi grave? Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steve. Ta mère vient juste d'appeler pour nous raconter tes dernières facéties. N'est-ce pas, Madame Potsdam? Tout à fait, Monsieur Potsdam. Quel horrible garnement tu fais. C'est bien d'avoir de l'imagination en petite quantité. Un homme doit savoir rester réaliste, surtout lorsqu'il est sur le point de se marier. Dis-moi, est-ce que ton père se sent mieux? Il va pouvoir retourner à l'abattoir d'ici peu. Je n'ai pas vu mon père, il est enfermé dans sa chambre. Je l'entends gémir, c'est tout. Il ne va pas mourir, au moins. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper. Eh bien, la prochaine fois que tu le vois, n'oublie pas de le saluer pour moi. Et dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite. Et aussi, si tu pouvais lui parler de la viande. Oui, parle-lui surtout de la viande. Oui, d'accord. Si je le vois. Tu devrais te montrer un peu plus inquiet. S'il meurt, qui va diriger l'abattoir? Qui va s'occuper de la viande? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas? La viande est à la base de toute société qui se respecte. Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour. Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste.
Et quand tu seras marié à Stéphanie, moi aussi, je ferai partie de la famille. Et ton père me donnera autant de viande que je veux. Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre. Bonjour, Steve. As-tu pensé à utiliser le fil dentaire aujourd'hui? Eh bien, Stéphanie n'a pas la permission de sortir, Steve. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur Potsdam lui a dit d'aller dans sa chambre et elle y restera jusqu'à ce que Monsieur Potsdam dise au contraire, probablement jusqu'au jour du mariage. Parlez-moi du mariage. Eh bien, il aura lieu dans 3 semaines, à Shady Oaks, dans l'établissement des pompes funèbres de Monsieur Monahan. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je sais, on a vu plus romantique comme endroit pour se marier, mais il n'y a pas d'autre emplacement pour le faire, à cause de Monsieur Potsdam. Monsieur Monahan possède l'hôtel Wayward et l'établissement des pompes funèbres de Shady Oaks. On murmure qu'il entretient des relations avec l'ordre, mais cet organisme ne divulgue pas ce genre de choses. En tout cas, Monsieur Potsdam a essayé de se mettre bien avec lui pour qu'il glisse un mot aux gens de l'ordre pour ce qui est de sa candidature. Mais pour l'instant... Mes salutations à tes parents. Bonjour. Tu viens rendre visite à Stéphanie, c'est ça? Elle est là-haut. Monte vite la voir. Mais n'oublie pas qu'elle n'a pas la permission de sortir avant le mariage. Mes salutations à tes parents. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'es pas au courant? Nous allons nous marier. Alors c'est toi, Steve, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu ne me connais pas? Je veux dire que je connais personne. Je ne me rappelle de rien. Combien de fois vais-je devoir lui dire? Une seule fois, Stéphanie, parce que je ne me souviens absolument de rien non plus. Vraiment? Oh, Dieu soit loué, je croyais être la seule. Tu n'es pas seule. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Ces gens en bas m'ont enfermée dans ma chambre. Ils m'ont dit que j'y resterais cloîtrée jusqu'à mon mariage. Ils affirment être mes parents. Je ne peux pas le nier parce que je ne me souviens de rien, mais ça me semble bizarre. Tu as une idée d'où tu viens? Non, mais je suis presque certain que je ne suis pas d'Arvest. Pareil pour moi, je ne me rappelle de rien, mais je sens au fond de moi-même que la femme en bas n'est pas ma mère. Elle est comme une chose, un fantoche, une mauvaise blague dont la chute serait ta mère. Est-ce que ça a un sens? Je suis contente de ne pas être la seule à voir tout ça de cette façon. Je croyais devenir folle. Bienvenue au club. Mais on ne peut pas être fous tous les deux, Stéphanie. De toute façon, quelque chose de vraiment louche se passe ici. Je dois m'échapper. Et toi aussi. Parce que d'une certaine manière, que tu le saches ou non, je crois que nous sommes tous les deux coincés. C'est l'enfer. Et ils me traitent bien, mais ils ne me laissent pas quitter cette chambre, même pour aller dans le jardin. Pas avant le mariage. Ils ne te disent pas pourquoi? Chacun met ça sur le dos de l'autre. Ils inventent des excuses, des trucs que j'aurais fait, mais dont je me souviens pas. Alors je reste assise ici, je regarde le monde de ma fenêtre et j'écoute les bruits dans la maison. Chaque matin, un drôle de garçon vient à la maison et ramasse le journal. Il ne le livre pas. Il ramasse juste les vieux magazines que Madame Potsdam met dehors sur le porche pour lui. Et quand il oublie, le garçon se met vraiment en boule. Il me fait peur. Rien d'autre? J'entends de drôles de grattements dans la salle de bain parfois. Comme si quelque chose glissait le long du mur. Des griffes, peut-être. Et Monsieur Potsdam, je n'aime pas la façon dont il me regarde. Ce cher papa, tous les deux m'observent continuellement. Mais surtout lui. Tu ne crois pas qu'ils sont dangereux, quand même? Je crois que tout cet endroit est dangereux. Je crois que nous devons nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. Reviens me voir très vite, d'accord? J'ai rarement des visites. Je suis tête sua crumb.
Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quand une abeille pique, elle perd une partie d'elle-même et meurt de son audace. C'est pourquoi elle provoque l'admiration de ceux qu'on élève dans l'adoration d'un dieu qui exige sacrifice et expiation. Mais les guêpes ont des mœurs légères. Elles ne plaisent pas autant au public parce qu'elles ne meurent pas quand elles piquent. Elles vivent pour piquer de nouveau et elles y prennent plaisir. Oui. Beaucoup de plaisir. La guêpe est un être sensuel, pas laborieux. Hédoniste et non industriel. Certains les croient promptes à la colère. En vérité, elles sont aisément attirées par l'extase. Elles pénètrent votre chair. Et les contractions musculaires de leur thorax quand elles pompent leur venin peuvent être apparentés aux contractions d'une éjaculation. Chaque blessure douloureuse, un acte d'amour. Bonjour Steve, laisse-moi faire les présentations, je suis le shérif Dwayne. Et voilà Loomis. Enchanté. Mais on ne s'est pas déjà vu? Bien sûr que oui. Mais je suis au courant pour ta pseudo-amnésie, alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence. Je te conseille de pas trop faire le pitre, hein, sinon tu finiras dans ma prison. Et crois-moi, c'est pas le meilleur endroit pour célébrer un mariage. Loomis, que tu vois ici, est mon bras droit. Sans lui, il me serait difficile de pacifier cette ville. Ou du moins de déjeuner tranquille. Les fonctions de Loomis consiste en gros à répondre au téléphone et à surveiller le commissariat quand je ne suis pas là. Même si parfois il aime aller dans la cellule et abuser du matelas. N'est-ce pas, Loomis? Oh, shérif, pourquoi est-ce que vous racontez une chose personnelle comme ça? Loomis a effectivement quelques problèmes. Je ne l'inviterai pas au mariage, mais si tu le fais, assure-toi qu'il n'attrape pas la jarretière. Ça pourrait être embarrassant. Oh, je ne ferai rien du tout, Dwayne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un porte-jartel qui aurait frotté contre la cuisse de Stéphanie. Ah oui, ça, ce serait bien. D'un point de vue criminel, il s'est pas passé grand-chose à Harvest depuis l'incendie du quotidien. Bien sûr, à peu près une fois par semaine, on a des gens de passage qui meurent soudainement. Mais à part ça, il y a peu d'animation dans le coin. Passe me voir quand tu veux. Le shérif va toujours au café Edna vers midi pour déjeuner. Et il revient à 1h de l'après-midi. C'est réglé comme du papier à musique. Il n'aime pas perdre son temps avec des broutilles. Je peux faire quelque chose pour toi? Fais comme tu veux. Tiens, quand j'y pense, tu as vraiment de la chance de te marier avec Stéphanie. Elle a l'air très bien. J'espère juste qu'elle ne deviendra pas comme Madame Loomis ou, Dieu l'en garde, comme Madame Phelps. Les femmes bien peuvent parfois être inflexibles sur les besoins des hommes. Tu verras. Mince alors, et jolie. Un peu comme cette fille que j'avais vue sur une de ces cartes postales françaises qui faisait dans le temps. Avant, je ramenais ces trucs à la prison, si personne n'était là. Je les tenais d'une seule main, avec quelques serviettes à côté. C'était avant Madame Loomis. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des cartes postales françaises. C'est juste comme ça qu'on les appelait avant. N'importe quel petit livre avec des filles dedans. Le genre que les hommes aiment bien, ce serait épatant. Je serais très reconnaissant, petit, si tu pouvais m'en ramener un. Bon Dieu, j'aimerais bien avoir quelques-unes de ces photos. Allez, allez. Mais Madame Loomis ne me laisse pas les garder à la maison. Je me rappelle une fois où elle m'avait surpris tenant ces photos d'une main. Elle m'a cogné à coups de balai. J'ai hurlé, comme un chien. Le balai s'abattait sur moi. Il y avait de la paille partout. Et du sang. Du sang et de la paille. Je pleurais tellement, et ça faisait si mal que j'ai dû ramper jusqu'à la porte, tout nu, avec toutes ces énormes araignées qui me piquaient. Mon derrière à l'air. Et partout ailleurs.
Je te le demande, est-ce que c'est une façon de traiter un homme? Mais Madame Phelps et le shérif ne me facilitent pas la vie, eux non plus. J'ai eu... Madame Phelps, au magasin, n'arrange pas beaucoup les choses. Elle a pas mal de ces petits magazines de photos, ceux avec des femmes. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme, Madame Loomis. Oh, bon Dieu, ce que ça peut me mettre en boule. Et si je lui en demande, elle le dit à Madame Loomis, et je prends les coups de balai. Ah, y a de quoi briser mon cœur. Elle a brûlé mes cartes postales françaises, je ne peux même plus les remplacer. Un homme a des besoins, tu le sais bien. À la prochaine, petit. Steve, mon grand, comme c'est gentil de passer. Je ne t'ai pas vu depuis la remise des prix. Beaucoup de changements, il paraît? Ça, on peut le dire. Bien, bien, c'est le côté positif de ce travail. Offrir au monde des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes et les voir prospérer. Bien évidemment, mon audience était plus large du temps du Sentinelle. Paix à son âme. D'un autre côté, je n'avais pas l'occasion de voir le résultat de mes efforts comme maintenant. Qui êtes-vous? Tu sais parfaitement que je suis Monsieur Eryl, le proviseur du Mémorial Saint-Jean. Steve, on m'a parlé de cette ridicule histoire d'amnésie. J'espérais que tu ferais partie de l'ordre à présent. Mais maintenant, je pense qu'il vaudrait mieux que tu passes des moments enrichissants. Qu'est-ce que vous voulez dire avec « moments enrichissants » ? Certains, comme Mademoiselle Wallet, préfèrent associer la discipline à des châtiments corporels pour éduquer les individus. Personnellement, je préfère tempérer la discipline avec de l'amour. Un moment enrichissant peut être tellement positif et agréable. Après quelques séances, tu cesserais cette aberrante amnésie et deviendrais un membre productif de cette société, ainsi qu'un excellent candidat pour rejoindre l'ordre. Reviens me voir à l'occasion. L'éducation des adultes est une chose merveilleuse, tout comme les moments enrichissants. Mon Dieu, les enfants, c'est Steve! Il était élève ici, au Mémorial Saint-Jean. Dites bonjour, les enfants. Ils sont réticents. Le principal problème des enseignants aujourd'hui, c'est l'apathie des élèves. Qu'est-ce qui ne va pas avec leur tête? Je peux te l'expliquer en un mot, Steve. Discipline! Dieu merci, tu n'étais pas un sale gosse. Tu as toujours été un gentil garçon. Alors, vous vous souvenez de moi? Tant d'élèves, Steve, ne font que passer. Mais j'ai toujours remarqué ceux qui étaient de gentils garçons. Tu peux le savoir en regardant leur front, les lobes, n'est-ce pas, les enfants? Je suis heureuse que tu sois passé, Steve. Tu ne peux pas dire quelques mots à la classe sur la responsabilité civique? Eh bien, c'est que je ne faisais que passer. Mais tu dois faire ça pour moi, Steve. Un modèle positif, c'est peut-être ce qu'il faut pour inspirer ces petits monstres. Steve, as-tu des questions à me poser? Ou puis-je continuer la classe? Alors pose-les! Nous ne pratiquons pas les châtiments corporels ici. Je n'ai jamais cru en ce vieux dicton qui aime bien châtie bien. Moi, je châtie sans aimer. Et rien de tel qu'une bonne batte de baseball pour réduire le fossé en... Oh mon Dieu! Le colonel Monroe effectue encore une simulation d'attaque aérienne. Tout le monde dans le couloir, vite! S'il y a une bombe atomique, à quoi ça peut servir de se casser quelque part? D'où Jésus, que c'était excitant! C'est fini, tout le monde en classe! Repasse nous voir quand tu veux, Steve.
Steve, comment va ton père? Ça va mieux? Bah, comme d'habitude, je pense. Ça fait des semaines qu'il vient plus travailler, et quand j'appelle chez toi, ta mère ne me laisse pas lui parler. Je ne l'ai pas vu non plus. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Enfin, je suis content de voir que tu t'intéresses au métier en l'absence de ton père. Qui êtes-vous? Allez, Steve, j'ai toujours refusé de croire à cette histoire d'amnésie. Tu vas pas me dire que tu reconnais pas ton vieux pote, Pat O'Reilly. Qu'est-ce qu'il a, ton père, exactement? Je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir. Tu vas réaliser que ce boulot n'est pas fait pour tout le monde. Tiens, demande à ton pauvre père. Il faut sentir à fond. Et pas avoir froid aux yeux. Très souvent, quand j'ai réussi à faire partir les morceaux d'intestin coincés sous mes ongles, je dois admettre que j'ai plus guère d'appétit pour un steak saignant. Mais la viande rouge a une importance capitale dans notre alimentation. Alors quand on peut faire ça toute la journée et s'envoyer un steak bien juteux une fois le boulot terminé, alors là, on est digne de porter le nom de boucher. Bien sûr, être amnésique peut avoir du bon dans ce genre de situation. Tiens, j'y pense. Je ne vois aucun bétail dans le coin. Où est-ce que vous parquez les vaches et tout ça? Quelle importance! Le produit final, c'est la seule chose qui intéresse le consommateur, Steve. Et ici, nous avons seulement les meilleurs morceaux. Les parties les plus juteuses. Quand c'est toi qui géreras cette entreprise, tu comprendras qu'il faut préserver la qualité tout en limitant les coûts. Si c'était pas le cas, est-ce que les gens de l'ordre nous laisseraient s'occuper de leur repas? Ton père accorde une grande importance aux bénéfices, Steve. Pas de cadeau. Mais comme t'es son fils, si tu m'apportes une autorisation de ton père, je te donnerai de la viande. Reviens me voir à l'occasion, Steve. Et mes salutations à ton père. Halt, qui va là? On m'a dit que je m'appelais Steve. Ah oui, l'unité 21. Garde tes distances, petit, je voudrais pas avoir à te faire sauter le caisson. Moi non plus. Ah, alors comme ça, tu es amnésique, hein? Encore un truc bidon pour se faire réformer, oui. Bah, au moins, tu n'es pas un extraterrestre. On voit leur vaisseau de temps en temps, et parfois, Svel en fracassin dans la forêt. Qui êtes-vous? Colonel Buster Monroe, commandant en chef des missiles nucléaires de Harvest. Je protège la patrie de ceux qui peignent le drapeau national en rouge, noir et rose. Ce sont des missiles nucléaires? Et pas qu'un peu, mon gars. Chacun d'eux est prêt à tuer un million de Rouskov. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et bam! Le prix de la vodka explose. La vodka aussi, d'ailleurs. Je suppose que vous avez des... Vous savez, des mesures de sécurité. Sécurité? Fais pas la fillette, mon gars. Ça, c'est de la sécurité. Nous sommes dans les années 50, mon gars. Vous voulez dire que vous êtes le seul à contrôler ces missiles? Tout à fait. Fidèle au poste depuis la Seconde Guerre mondiale, quand je me suis fait plomber le bas du ventre par ces chacals. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont voulu me coller derrière un bureau. Tu parles. Après tout ce que j'avais fait pour eux, j'ai laissé mes jambes à Düsseldorf, moi. Ils me doivent une fière chandelle, oui. Ils pensent que parce que j'ai rampé de l'Allemagne à l'Angleterre en tenant mes intestins dans mes mains, j'ai été trop marqué pour rester dans l'armée. C'est pourquoi ils m'ont filé ce petit boulot peinard, où je supervise ces missiles atomiques. Pourquoi tu t'intéresses au bouton de mise à feu, fiston? Je suis juste un peu inquiet. Un accident, ça arrive vite, non? Inutile d'avoir les foies, mon gars, le déclencheur est bien gardé. Je l'ai sur moi en permanence. C'est pas un enfoiré de coco qui posera ses pattes sur ce bouton, ça non, fiston? Personne ne déclenchera un holocauste atomique à Harvest à part moi. C'est pas rassurant, ça? Harvest est une belle ville, elle repose sur de solides valeurs patriotiques. Mais cet ordre, là, il ne m'inspire pas confiance. Il contrôle presque tout ici. Comme une saleté de complot communiste bien secret. Non, c'est pas ça. Je pense que tu devrais infiltrer l'ordre et signaler toute présence de sympathisants communistes. Ton rapport pourrait modifier mon opinion sur ce que je dois faire. Souviens-toi, tous aux abris! Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Qui êtes-vous? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc, qui puis-je bien être? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Ouellet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. Oliverne, tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, on dit qu'un bon coup sur la caboche est souverain pour l'amnésie. Si c'est vrai, je te recommande de nouveau Miss Ouellet. On dit aussi qu'une belle frayeur peut remettre la mémoire sur pied. Dans ce cas, tu devrais plutôt aller voir le maître d'armes, là-bas à l'ordre. Ce type me donne des frissons. À propos de frissons, comment va ton père? Je ne sais pas, ma soi-disant mère le garde enfermé dans une pièce et je ne peux pas le voir. Tu souhaites acheter quelque chose? Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis un peu sourde d'oreille. Un magazine, olé, olé! Oh, Steve, ça m'étonne de toi. De la part de l'agent Loomis, ça ne m'étonne plus. Mais de toi, il est toujours là à poser ses doigts graisseux sur mes journaux. Mais il peut toujours courir pour que je lui en vende un. Je connais sa femme, tout de même. Bon, et à moi, vous en vendez un? Mais bien évidemment, Steve. Ce genre d'intérêt est normal chez un jeune garçon. Ça l'empêche de penser à devenir pompier. Bouton, mince! Je l'avais perdu depuis des mois. Où l'as-tu trouvé? C'est bizarre, ça. Je l'ai trouvé dans les décombres de l'immeuble du journal. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'ai quelque chose à voir avec l'incendie? C'est grotesque, voyons, des dizaines de personnes sont passées par là depuis l'incendie. Et si je l'avais fait? Je suppose que je serais plutôt reconnaissant envers quiconque m'aiderait à m'en sortir. Comment? Tu m'as l'air d'être un gars bien. Par exemple... Disons qu'il y a une bonbonne de gaz dans la salle des pièces à conviction au commissariat. Une bonbonne sur laquelle il y aurait certainement des empreintes accablantes. Quelqu'un serait assurément très reconnaissant si on lui ramenait cette bonbonne. Disons, assez reconnaissant pour fournir un formulaire d'adhésion à l'ordre à celui qui la lui rapporterait. Oh, hey, Steve! Tu gardes ça pour toi si tu es malin. Oh, par tous les saints, mon Dieu, c'est du costaud. Oh, je peux garder ça? Oh, oh, merci Steve, laisse-moi te payer. Excuse-moi petit, je dois aller vérifier s'il y a des serviettes propres dans la cellule. Bonjour, Steve. Oui, Loomis?
Lomé, sale pervers, tu salis encore le matelas, hein? Ou bien les serviettes, pervers? Tu charmes ton serpent, hein, Lomé? Saligo, allez, prends ça, tiens, et... Pas possible, après tout ce temps. Où est mon formulaire d'adhésion, Boyle? Tiens, prends-le, avec mes remerciements. Tu sais, ce matin, en faisant ma tournée, j'ai remarqué des centaines d'affreuses antennes de télévision sur les toits. Il semble qu'il y en ait un peu plus chaque jour. Tu m'as ramené cette bonbonne au bon moment, petit. J'en aurais peut-être encore besoin. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une autre raison pour laquelle le shérif Duane n'a pas enquêté sur l'incendie du Sentinelle. Si tu veux en savoir plus sur ce salopard de maître chanteur, va voir du côté de la chaîne de télévision, pendant que tu peux encore. Restez branchés, les gars. Le rodéo de Range Rider vous réserve encore des surprises. Alors, ne partez pas! Hey, comment tu t'appelles, hombre? Steve. Steve! Ah, c'est un très beau prénom. Mon chien aussi s'appelle comme... Tu veux mon autographe, Steve? Il faut t'adresser à Monsieur McKnight, mon gars. Moi, je ne suis que Range Rider, le cowboy pur sang. Il faut que tu m'excuses, Geno. Je dois aller faire l'aller-retour jusqu'au point d'eau avant la fin de la pub. De la violence? Et alors? La violence est aussi américaine que le hamburger et les mauvais résultats aux examens. Où on en serait maintenant si les cow-boys n'avaient pas chevauché vers l'ouest et massacré des innocents pour leur voler leurs terres, hein? Réponds donc à ça, monsieur, je sais tout. Mais des études ont tout de même montré que les jeunes devenaient de plus en plus violents à force de voir de la violence, non? Écoute, mon gars, moi je leur arracherai les tripes à ces Indiens, des païens sans foi. Et si c'est le cas, il ferait mieux soit de faire vérifier leur vue... Soit de faire comme le vieux Range Rider et de les plomber à mort. Sinon, ils se feront interner dans un hôpital psychiatrique s'ils ne finissent pas avec leur scalp au bout d'une ceinture en daim. Les parents qui se battent contre la violence à la télé sont les mêmes qui sortent chaque matin pour acheter leur journal avec l'assurance qu'ils ne prendront pas une flèche dans le pruneau parce que la violence qu'ils haïssent tant a permis de nettoyer leur voisinage de tous ces sales Indiens. Ouh, de la merde en autocollant! C'est vrai, la violence a servi la civilisation, mais doit-elle être utilisée comme un divertissement? Jette un coup d'œil à mon taux d'audience, petit. La violence, c'est du divertissement. Moi, je me contente d'en mettre à la télé. Si certains mots me la regardent, ça en dit long à leur sujet. Pas sur moi. Maintenant, excuse-moi, on repasse à l'antenne. Hé, l'ami, c'est un bureau privé. Oui, je sais. Vous êtes? Monsieur McKnight. Je possède et je gère cette chaîne. Vous m'apportez des informations pour le journal de ce soir ou... J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours été un blagueur, Steve. Mais vous n'auriez pas un vrai scoop pour moi? En fait, je voulais juste en savoir plus sur votre chaîne de télé. War est la seule chaîne de télé d'Harvest. Depuis que le Sentinelle a cessé de paraître, quand l'immeuble du journal a brûlé, on marche à plein régime. On est les meilleurs, l'ami. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas parce que War a légèrement tiré profit de cet incident. Bon, d'accord, les flammes de l'incendie m'ont réchauffé le cœur, mais c'est pas moi qui ai brûlé leur immeuble. Demandez au shérif Duane si vous ne me croyez pas. On dirait que vous n'aimez pas parler de cette histoire, l'ami. Je n'aime pas qu'on vienne fourrer son nez dans mes affaires. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que vous sortiez d'ici, et n'y revenez pas. Si vous ne sortez pas d'ici immédiatement, je vous fais arrêter pour violation de domicile. Super!
Je vois que tu as réussi à obtenir un formulaire. Tu prouves ainsi ta débrouillardise, une caractéristique notable pour un éventuel candidat. Je pense que tu souhaiterais t'initier au mystère de l'ordre de la Lune d'Arvest, non? Tu as besoin de repos. Reviens ici après mercredi pour ta nouvelle mission. Stop.